Hello les amis, bienvenue sur Cook with KG, recette spéciale fish and chips. Let's go! Pour cette recette, j'ai utilisé un filet de morue. Donc d'abord, dans un bol, vous allez renverser une tasse de farine, 2 cuillères de fécule de maïs, une cuillère de Du sel. paprika, une cuillère de levure boulangère, du poivre et enfin votre bière blonde. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Ensuite, vous aurez besoin de 2 récipients, un avec de la farine, du sel et du poivre, et l'autre avec la pâte à bière. Donc, vous allez prendre vos poissons et recouvrir-les avec le mélange de farine. Lorsqu'il est bien recouvert, secouez l'excès de farine et ensuite plongez-le dans la pâte à bière. Retenez bien le poisson pour que la pâte s'imprègne sur le poisson, si on peut dire ça, et secouez aussi l'excès et mettez à côté. Pendant ce temps, chauffez votre huile à 79 degrés Celsius et ensuite faites frire le poisson jusqu'à obtenir une couleur dorée. Retournez le poisson chaque 2 minutes pendant environ 8 à 10 minutes. Le poisson sera cuit lorsqu'il aura une couleur dorée, comme j'aime bien le dire, golden brown delicious. Pour votre sauce tartare, ensuite vous aurez besoin une tasse de mayonnaise, des cornichons, une échalote émincée, du persil, du poivre, du jus de citron et du sucre. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Si votre sauce est trop légère, ajoutez plus de mayo. Si elle est trop lourde, ajoutez du jus de citron. Ingrédients et recettes des frites. En description, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager. Tap tap Saint Delphi TJ 225, 10$ lors de vos premiers envois. C'était Coupif KD. J'espère que vous avez aimé et à bientôt.